file indienne, indienne, indienne. Tous à la file indienne, nous marchons en chantant. Tidam, tidi, atiriru, tidé. Tidam, tidi, c'est facile à prononcer. De seconde vidéo, donc second jour du colorato. Hier j'ai fait deux coloriages, aujourd'hui je compte au moins en faire encore deux. Le premier coloriage est déjà fait, je n'ai pas pu le filmer tout simplement parce que la vidéo d'hier est en train de charger sur mon ordinateur. Du coup je pouvais pas charger la vidéo et tourner une vidéo parce que ça aurait fait trop pour mon petit ordinateur. Donc j'ai fait le coloriage hors vidéo, donc je vous le présenterai tout de suite après cette petite scène. Donc on va faire par la suite le second coloriage. C'est dur à trouver les mots aujourd'hui. On va faire le second coloriage ensemble en accéléré comme hier, même si le premier a été fait donc hors caméra. Donc premier hors caméra, second avec vous, et si j'ai le temps, un troisième, pourquoi pas, j'aimerais. Si j'ai pas mal au crâne, si j'ai le temps, voilà, si tout est réuni pour pouvoir faire un troisième coloriage, je le ferai. En sachant que j'ai pro des petits coloriages pour essayer de faire un peu plus et à pas me lasser vite. Donc voilà, on se dit donc à tout de suite pour la présentation du coloriage fait hors caméra. Donc voilà le premier coloriage fait, donc avant de pouvoir tourner avec la webcam. Et j'ai utilisé les pens 68 pour ce coloriage. D'ailleurs je m'aperçois que j'ai pas rangé le stylo. Donc voilà pour ce premier dessin. Donc il aura été assez rapide à faire, mais oui, je prends plaisir à le faire. Donc je vous montre un peu à quoi il ressemble. C'est grâce au flash qu'on s'aperçoit que le jaune est très mal fait. Il y a plein de petits blancs, donc je le reprendrai. Voilà pour ce premier dessin. Et maintenant, on passe au second. Donc, second coloriage, celui-ci sera très spécial vu que c'est un coloriage, je sais pas comment ça s'appelle, avec des petits ronds. Je sais pas si vous allez voir. Voilà comment il se présente. Donc, chaque petit rond contient un numéro allant de 1 à 8. Et chaque code de ces numéros, et bien entendu, correspond à un code couleur qui est ici. Voilà, sur cette page. Donc mes feutres sont ici, mais sur un ordre pour pas me tromper, me connaissant je vais sûrement me tromper, c'est pas grave. Donc pourquoi je fais ça, parce que déjà ça change des coloriages ordinaires, et surtout comme ça on découvrira ensemble ce que ce coloriage représente, parce que bien entendu j'ai aucune idée de ce qu'il représente. On peut savoir à la fin, mais j'ai pas voulu savoir ce qui va représenter, donc qui vient du magazine, je vais vous dire, du magazine Sensation. Donc on va commencer tout de suite.
Et là, je me dis, j'aurais vraiment dû faire un coloriage normal. Ça tue le poignet, c'est horrible, c'est super long. Et ça ressemble strictement à rien pour le moment. Thank you.
Thank you.